Le départ est validé donc pour cette épreuve. Destrier Junior qui a pris des établissements du tertre avec Chevauchon Étincelle qui s'est tout de suite emparé du commandement. Mais on lui conteste cet avantage maintenant avec Ishabachef et Charles Clayeux. Juste devant Chevauchon Étincelle, Shoot the Deal vient librement en troisième position pour l'instant. Juste devant Imperial Fighter et Milo qui ferme la marche de ce peloton. Une allure peu sélective en ce début d'épreuve pour l'instant. Il voit aborder le début de la ligne opposée avec Ishabachef qui emmène toujours le peloton avec Chevauchon Étincelle. Toujours en seconde position. On est maintenant en troisième position avec Imperial Fighter juste devant Milo et Ishlabachev qui ferme la marche de ce peloton. Les concurrents qui sont maintenant dans la ligne opposée, toujours la même impulsion en tête avec Chevauchon Étincelle qui a pris l'avantage. Ishlabachev en seconde position devant Imperial Fighter. Milo revient maintenant à l'extérieur devant Shoot the Deal. Les concurrents qui abordent maintenant le bout de la ligne opposée. Il va rester un petit peu plus d'un tour de piste à parcourir maintenant dans le tournant avec Chevauchon Étincelle qui emmène toujours ce peloton avec. Maintenant, Ishabachev en seconde position, Kazak Clayeux, alors qu'on est maintenant troisième avec Milo à l'extérieur devant Imperial Fighter et Shoot the Deal qui ferme toujours la marche. Concurrents vont passer devant les tribunes une nouvelle fois, une nouvelle haie en vue avec toujours Chevauchon Étincelle qui emmène le peloton avec un très léger avantage, avec en seconde position bien calé dans son dos. Ishabachev devant maintenant Imperial Fighter qui est le long de la corde. Milo est à l'extérieur. Shoot the Deal est sollicité par sa partenaire Bérénice Monnier pour rester maintenant derrière les leaders. Il vient en cinquième position un petit peu plus loin. Les concurrents à bord de le tournant, le début de la ligne opposée une nouvelle fois et pas de changement notable en tête actuellement. Avec toujours Chevauchon Étincelle qui emmène le peloton avec Imperial Fighter en seconde position qui est bien calé dans son dos. On est en troisième position avec Milo juste devant Ishlabachev qui n'est pas loin à l'extérieur. Vient Shoot the Deal notamment. Ishlabachev est à l'extérieur. Ishlabachev a malheureusement été accidenté. Les concurrents qui vont aborder maintenant le bout de la ligne opposée. Pas de changement notable en tête avec Chevauchon Étincelle qui emmène toujours le peloton avec un très léger avantage. Alors qu'on vient avec maintenant 2-3 longueurs plus loin, Imperial Fighter juste devant Milo et Shoot the Deal qui vient à l'extérieur. Les concurrents qui sont maintenant dans la ligne d'arrivée avec Chevauchon Étincelle qui emmène toujours le peloton et qui maintenant semble avoir la course à sa merci. Pour aborder la dernière haie, c'est Chevauchon Étincelle qui détachait les autres. A librement l'avantage avec Imperial Fighter qui a fait une faute. Milo est troisième juste devant Shoot the Deal. Ils sont maintenant aux abords du poteau avec maintenant Chevauchon Étincelle qui s'impose librement dans cette épreuve.